Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo découverte d'un jeu qui me semble assez étrange, d'un jeu de la Wii U qui est peu commun. J'appuie. Voilà le beau gosse au milieu, hein, c'est moi. Bon, vu que je filme pas mon gamepad en même temps, bien vous pouvez pas voir ce qui se passe. Bah, en gros, on a ça. Et devinez ce qu'on va faire. On va faire soit l'un des trois jeux, mais lequel? Pour l'instant, nous allons faire un jeu incroyable qui s'appelle The Wonderful 101. Un jeu que j'attends impatiemment. Non, je rigole. Non, c'est une démo, c'est une vidéo découverte. D'accord, utilisation restante 15. Ça, c'est Nintendo avec leur utilisation restante. Sur 3DS, c'était pareil. Voilà, Wonderful, ça me fait vraiment penser à Beautiful Joe, si vous connaissez. Beautiful Joe, un jeu qui est sorti sur DS. Il y en avait un sur DS, c'était mon premier Beautiful Joe. Après, j'en ai eu deux sur GameCube. Un, c'était un jeu de combat, et un autre, c'était un jeu d'aventure. On pouvait ralentir le temps ou reculer le temps. Avec carrément en fait une pellicule, on voyait la pellicule de la caméra en fait, puisqu'en fait on était à chaque fois filmé. C'était ça le principe de Beautiful Joe souvent. Je sais plus après trop l'histoire, bon c'était un peu du n'importe nawak et les personnages ressemblaient à des personnages de manga. Mais en même temps ça faisait aussi à moitié comics. Donc voilà, on va commencer par scénario, hein. C'est rien. Je mets en normal parce que je suis un fou. Bon, j'ai peur du résultat, mais voilà. Attendez, je vais quand même baisser le son parce que j'en ai marre que mon micro prenne toujours le son de la télé. Même si en fait maintenant j'entends plus rien. Je vais plutôt mettre plus fort en fait. C'est vraiment le truc de super-héros. Allez, c'est comme dans le trailer, hein, on dirige beaucoup de personnages à l'écran, et je ne sais pas ce qu'il faut faire. On bat des ennemis, c'est du Kikulololwesque, j'ai du mal à parler. Et derrière moi, il y a un arc-en-ciel, je pense que ça veut dire que je cours plus vite. Ou peut-être parce que j'ai pris de la beuh, mais je sais pas. La technique de fou! En fait, j'appuie sur le bouton A là pour une petite info. Je sais pas quel bouton sur lequel bouton appuyer. Un gâteau préparé à partir d'ingrédients soigneusement sélectionnés à travers la galaxie. J'ai pas eu le temps de lire. Pièce de métal rare, empreinte d'énergie cosmique. Merci. Ça fait ça à chaque fois. Je suis peut-être très lent en lecture. Hein. Pourtant, j'ai eu l'impression que je lisais à mon maximum. Là, je fais des gros coups de poing. Je crois qu'on peut aussi changer de personnage, je crois. Non? Ah non, on peut pas. En fait, on est lié, quoi. Ah, c'est ça. Mais il faut faire quoi, là? Sinon, ma barre de vie, je crois que c'est le truc vert. Bon, bah, graphiquement, ça pète pas trop, mais bon, je m'attendais, de toute façon. Je sais pas si c'est un jeu que je vais acheter. Hein. Je pense pas, mais... C'est pour le fun, la démo. Ouais, ça fait très... agent secret, là. Ça fait très James Bond. Là, ça fait n'importe quoi. Bon, attendez, je vais quand même enlever la vibration, parce que ça commence à me saouler. Ça peut être gênant pour vous. Comment on fait, déjà? Vibration, non. Ah, il y a la luminosité du machin aussi.
Ah, je l'utilise pas, donc t'en mets à 0. Attends, voyons s'il est lié avec la télé. Ah non. Et parce que quand ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé le gamepad, il se met à moitié en veille, donc l'écran est un peu plus sombre. Et en même temps, on voit aussi l'écran de la télé un peu plus sombre. C'est pas mal. Ce mode en veille. Même si des fois il y a des jeux, c'est un peu con, on n'utilise pas du tout le gamepad, on l'utilise que pour les boutons, mais il s'allume quand même. Au moins, Donkey Kong Country Tropical Freeze ne fait pas ce principe. Hein, l'un des seuls jeux où le gamepad s'éteint carrément. Ah. Je crois avoir eu des médailles. J'ai pas trop compris ce que c'était les médailles brillantes. Peut-être c'est parce que j'ai joué comme un god. Ou peut-être comme une merde. C'est à voir. Je pense plus que c'est une bonne note. Ah, c'est vraiment le même style, c'est exactement le même style que Beautiful Joe. Ah, c'est des jeux que j'aimais, enfin. Sur DS, j'avais bien aimé, mais sur GameCube, le jeu d'aventure là, je l'ai trouvé un peu bof bof. J'ai pas continué, je suis pas allé très loin. Je vous ferai peut-être un vidéo test là-dessus. Sur la DS, je sais pas si je pourrais vous faire un vidéo test. Faudrait que je trouve la ROM sur émulateur. Parce que je pense pas que je vais filmer sur ma DS, ce serait un peu con. Une batterie auxiliaire d'urgence stockée dans une dimension parallèle. Je sais pas à quoi ça sert, merci. Il y a des piles. Bon, il court très vite le bonhomme, hein, c'est Sonic. Ah bah, en parlant de Sonic, je vais vous faire aussi une vidéo de Sonic Lost World. Mais en ne connaissant pas du tout le jeu, enfin si, j'ai quand même fait la démo sur 3DS. Enfin, je vous expliquerai. Ah, c'est quand même pas mal les destructions des ennemis. On voit des fois des pièces qui tombent. Des ennemis, hein, c'est plutôt bien fait. Même si bon, je dirais que c'est pas une claque. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran, c'est n'importe quoi, et ça rame pas du tout, ça c'est bien. Bon, y a quand même pas mal de jeux sur Wii U. Les jeux assez, qui font plus style Nintendo, sont souvent des jeux assez fluides. Alors que par contre, les jeux comme Batman Arkham City ou Assassin's Creed 3, c'est des jeux moyennement fluides. Dommage, hein, ils n'ont pas retravaillé sur la fluidité. Parce que c'est juste un portage tout bête de la version 3DS. PS3. Je commence à partir en n'importe nawak. Je me fais défoncer par contre. Je sais pas comment on joue exactement dans ce Beautiful Joe 2.0. Ah, de l'énergie, enfin. Ah, il fallait de l'énergie, hein. Ah, encore de l'énergie. Ah, c'est pas si dur que ça, le mode normal. Des fois, je ramasse de l'énergie. Comme par hasard, quand il me restait presque plus d'énergie. Totalement logique. Alors, une petite maison. Est-ce qu'on peut péter les voitures? Ah, c'est carrément une explosion et la voiture disparaît. C'est pas très bien fait. Bon, on va peut-être aller là-bas. Je sais pas. Quand j'attaque avec la grosse main, en fait, c'est mes coéquipiers qui se transforment en main, en fait. Ensemble, ils forment une main. C'est pas mal. En fait, c'est des héros qui travaillent en équipe. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Et sinon, je sais pas ce que c'est, les piles, là, en haut. En bas, juste en bas de ma jauge de vie. Peut-être... Ah oui, ok. Parce qu'on fait ça. Parce qu'on fait les pouvoirs spéciaux. Avec les gâchettes. Bon, il y a carrément un hélicoptère qui s'est écrasé. Et maintenant, il y a qu'une attente rouge. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond les médailles. Mais... J'ai une médaille bronze à la fin, donc ça doit pas être tip top. Des Wonder Toilettes. Ah, d'accord. Les Wonder Toilettes ressemblent à première vue à des toilettes ordinaires, mais ce sont en fait des points de ravitaillement secrets à l'usage des Wonderful. Si tu utilises le Wonderling pour envoyer ton. Une équipe à l'intérieur, je suis sûr qu'il ne se passera quelque chose d'exaltant. Non, je sais pas. Et de bizarre. Bon, qu'est-ce que je faut que je fasse, là? J'appuie sur... le stick directionnel. Faire quoi, là? Ah, ok, fallait les rentrer comme ça. Et ça nous donne...
pas du papier cul, mais encore mieux, des boulons, encore une fois. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça me fait vraiment penser à Lego Star Wars. Bon, je sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup qui parlent de Lego City, à ce qui paraît c'est un bon jeu. Mais moi, je vais vous dire un truc, les Lego c'est pas mon truc et c'est souvent des jeux de merde. Bon, ce qui paraît, ils disent que c'est carrément l'un des meilleurs jeux sur Wii U. C'est un peu de l'exagération, je pense. Voilà, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Ils disent help, mais ils sont pas attaqués. C'est un peu con. Je suis complètement paumé. Ça se voit que j'ai pas fait la démo. Faut faire quoi? Je sprint, je tape la bagnole. Carotte de l'espace. C'est quoi ça? Carotte de l'espace. Oui. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je vais réutiliser. C'est quoi ce pouvoir? Ah, c'est comme ça qu'on pourra monter, je sais pas. Ah mais non, j'ai juste à sauter. Mais il faut faire quoi là? Le problème c'est qu'on comprend rien. Un peu comme les Beautiful Joe, hein, vous allez me dire. Enfin, je sais pas trop si vraiment on veut en faire un sur DS. De test. Parce que je le connais très bien celui sur DS, mais. Enfin, ça fait un moment que je plus... Ça fait très longtemps que je l'ai plus fait, bien sûr. Mais... Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez. Faut tournoyer le stick directionnel en maintenant le bouton Y. Pour pouvoir ouvrir cette cellule. Cette porte. Et maintenant on me voit plus. C'est la classe, je vois plus rien. Ah non! Ah mince, bah faut que je vous dise un truc. Vous pouvez pas voir vous. En fait, moi je vois sur le gamepad que je suis. Que je suis à l'intérieur de la baraque. Ça c'est pas mal ce concept d'utiliser le gamepad. Le problème c'est que vous allez rien voir. Ah c'est une énigme. Bon gros là je dois... Purée mais c'est quoi cette caméra de merde? Ah oui c'est moi qui dois bouger la caméra avec le gamepad. Donc je dois faire 2, 3, 5. Donc lui ça doit être 5. Là je regarde la télévision maintenant. Purée mais... 2... 3... Allez! Voilà. Là c'est 2. Et là c'est 5. Et voilà, énigme déverrouillée. Enfin, énigme résolue. Magnifique. Ah, il nous donne beaucoup de médailles. Bon, c'était une petite énigme sympatoche, hein, très facile. Je m'y attendais que ce soit un peu brouillon quand même. Hein. En voyant les trailers, je comprenais rien du tout en fait. Je me disais, oulala, un jeu comme ça, je pense que j'ai pas trop m'y retrouver. Mais en effet, je m'y retrouve pas trop. Je pense qu'il faut attaquer ce truc. Ah, il faut encore appuyer sur Y et bouger. Ah purée, mais le problème c'est qu'il y a les ennemis qui nous défoncent à côté. On va voir combien de temps elle va durer la démo, normalement ça doit durer à peu près une heure ou même pas. On va voir. Alors, je pense qu'une démo d'un jeu comme ça va pas durer très longtemps. Allez, tourne-moi cette manivelle! Bon, ça sert à quoi? Ah si, faut faire tourner toutes les boules. Les balles de Pokéball. Je comprends plus rien, mais... Tracer une figure et appuyer sur le bouton X pour que certaines de vos unités matérialisent une unimorphisation indépendante. Vous pouvez matérialiser jusqu'à 4 uniformisations simultanément. Ces uniformisations multiples attaqueront automatiquement les ennemis à proximité et il faut faire... Ah oui, mais c'est le truc que j'avais fait avant. Ah, je vais essayer. C'est le pouvoir de la uniformisation. Allez, carrément, c'est une épée formée avec les héros qui attaquent les ennemis.
Et maintenant ils sont tous assommés puisqu'ils se sont fait démolir. C'est sûr que quand on fait ça, si Firefly avait été une épée qui faisait n'importe quoi comme ça, c'est sûr qu'après il serait pas trop en forme. Après, je n'arrive pas trop à voir entre mes amis et mes ennemis en fait. Je comprends rien du tout là. Bon, par contre, je sais pas s'il y a beaucoup de combos, mais j'ai l'impression qu'on peut faire que la main. Puis aussi les attaques uniformisation. Oh, pas mal! Ah, ça dépend comment on fait le truc. Si on fait tout droit, ça fait une épée. Si on fait à moitié de traviole, ça fait une espèce de. D'attaque tournoyante. Pas mal comme principe. Hein. Franchement, je m'attendais que ce soit un jeu assez moyen. Mais... Je sais pas, c'est bordélique, oui. Ça me donne pas trop envie de l'acheter, mais. Bon, pour le fun, une petite démo. Merde. Bon, et puis il a une note, je pense qu'il a une assez bonne note, assez bonne appréciation. Et puis il y en a qui disent que les musiques sont pas mal. Moi je fais pas trop gaffe aux musiques là. Ça fait à moitié fantastique, ça fait à moitié Superman, voilà. Voilà, c'est quand même assez bordélique. Et je me suis encore fait toucher. Je sais pas ce qui se passe, je suis en danger, je suis en danger. Non mais il est immortel celui-là. Ouais. Enfin. Moi j'ai remporté le combat. Non mais pourquoi la caméra elle est trop... Ah oui, il reste encore lui. Oh là là, le uppercut avec l'épée. Bon, je peux arrêter le pouvoir ultime. Bon bah c'est pas grave, je garde l'épée. Et je cherche d'autres ennemis, je sais pas où ils sont. Je saute comme un gogol. Ah mais faut aller sur la route. Je sais pas qu'on pouvait y aller. Normalement là j'ai de l'énergie en plus, non? Non mais j'ai pas compris. Ah alors énergie ça doit être les piles. Et juste la vie, bah c'est la vie. Mais moi pour moi énergie c'est la vie. Mais bon, tant pis. Ils auraient dû dire point de mana, hein. Je sais pas. Bon, par contre, je peux arrêter le pouvoir. Oui. D'accord, je fais tournoyer, mais ça marche pas. C'est fait, ça. Voilà. Je crois qu'il faut trouver mes autres alliés. Hein. C'est vraiment n'importe quoi, quand même, ce jeu. Pour les amateurs de jeux à moitié bordéliques, hein. Pour les jeunes enfants, ça pourrait être bien. Je sais pas après s'il est hardcore. Pour l'instant, ça va. Ah. Oh là là, il y a des QTE, mon dieu. Il y a des QTE dans tous les jeux maintenant. Ça commence à me saouler les QTE. C'est parce que Dragon Slayer il a créé les QTE que faut faire tout le temps, hein. Quand même. C'est pas parce que Resident Evil 4 a réussi avec brio les QTE qu'il faut continuer les QTE. Et même dans Resident Evil 6 ça commence à me saouler les QTE. Ouais, je suis plus rien là. Allez d'accord. On est carrément contre un boss et je me suis fait démolir. Hein. Il est carrément à poil, c'est totalement logique. Ah, et on voit son âme. Quand même, pas mal le côté humour, hein, dans ce jeu. À la Beautiful Joe, ça c'est sûr. Ça c'est la Beautiful Joe. C'est sans doute la même société qui a fait ce jeu-là, hein. Je sais pas. Par contre, c'est inesquivable cette attaque. Hein. Peut-être en courant comme un gros malade avec l'arc-en-ciel au cul. Donc, je comprends rien. Ah, il faut sprinter en fait. Parce que ce boss il est méga rapide malgré sa taille. Ah, il vise bien en plus. Ah, mais je veux bouger! Purée, j'ai appuyé sur Y, il voulait pas. Il était en mode attaque.
Je comprends. Je comprends les. Non, je sais pas si après on a des vies ou des conneries comme ça, des one-up, je veux dire. Quand on crève, je sais pas comment ça se passe. Peut-être que c'est juste des points de contrôle et on recommence à chaque fois. Ici. Morpho gelé. ZL. Ah bah c'est ça qu'il fallait faire. Ah oui, là ça lui fait vraiment mal. Non, je pense, hein, je comprends pas trop sa barre de vie, mais on voit un fromage. Hein. Merde. Oula, j'ai fait bugger le jeu. Ah, il va me foncer dessus. Non, il m'a tiré dessus plutôt. Ah purée, mais c'est inesquivable. J'aurais peut-être pas dû mettre en normal finalement. Je trouve ça vraiment bordélique. Ah, je me disais même dans ma tête, ne mets pas en normal. Mon subconscient me disait ça. Parce que c'est la difficulté la plus dure du jeu. Par contre, c'est trop bordélique pour moi. Je pense pas que je vais m'amuser là-dessus. Moi, vous voyez, il me faut du tactical RPG. Hein. Il me faut du Fire Emblem. C'est pas bordélique, c'est tranquille, c'est calme. On attend patiemment les ennemis qui jouent et puis après à nous de jouer. Hein. C'est du pur tactical et RPG. Hein. Avec des niveaux, des level up. C'est plus simple. Merde. Là je comprends que dalle. Et là je fais des petits coups de merde. Parce qu'il n'y a pas mes amis à côté. Alors, mais comment ça se fait qu'il fait plus que l'épée maintenant? C'est que faudrait savoir. Oh putain! Mais comment tu veux savoir? Est-ce qu'on peut se soigner par contre? C'est la grande question. Y a-t-il un menu? Bon, on va voir. Ça m'étonnerait. Ah si. Oh! Ah bah si, hein, on peut utiliser des objets qu'on a dans notre inventaire. Mais de toute façon, je m'en fous, je suis dans la démo donc je vais tous les utiliser hein, comme un fou. Ah purée. Je comprends que dalle. Ah enfin le boss a mouru. Je sais pas si tu sais les étoiles vertes, ça doit être les pires. Les médailles vertes. On va prendre les piles parce que c'est tout ce qu'il y a. Et on va sprinter comme des fous. Hein. Esquiver les missiles. Esquiver le bâtiment qui tombe. Bon c'est sûr, il y a du destruction du décor, hein. Il y en a partout. Ah c'est. C'est la moitié du Sonic là, c'est speed. J'aime bien le Sonic, mais faut pas trop en abuser. Hein. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il sorte Sonic Boom. Bon, même si j'ai pas encore fait Sonic Lost World, pour tout vous dire. Ou j'en sais rien en fait, puisque en fait, là, j'ai pas encore fait Sonic Lost World. Je l'ai. Enfin, je l'ai téléchargé, puisque en fait, il y avait une offre spéciale en achetant Mario Kart 8. J'ai le choix entre plusieurs jeux. J'ai entendu parler de Pikmin 3, hein, que c'était un bon jeu, même les deux premiers sur GameCube, là, mais ces jeux-là, je les ai jamais eus, hein, et pour la simple raison que, je sais pas, ça m'enchante pas trop, hein, les décors. C'est pas trop mon truc, hein, c'est trop mignon, c'est trop pour les petits, quoi. J'ai l'impression, alors que ça doit être un jeu magnifique, je sais pas. Ah, on peut faire un double saut. Un jeton ultra, ne passez pas à côté, il vous sera peut-être utile. Encore un truc pour augmenter le gameplay. L'intérêt du gameplay. C'est quand même... graphiquement, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas... Je m'attendais franchement à pire, en fait. Bon, même si au bout, c'est tout flou, là... J'aime pas cet effet. Mais bon, c'est... C'est à la mode, hein, chez les consoles HD. De faire du flou au bout. Mais bon, faisons du flou. Moi, quand je joue à un jeu sur PC, j'enlève à chaque fois le flou, je trouve ça moche. Surtout que ça fait ramer le jeu, donc bon. Ah, et là, on voit...
tomber. Ping, est-ce que tu es bien entraîné à te servir de la Wanderling pour tracher? Comme on a dû te l'expliquer durant ta formation de Wonder, j'ai encore appuyé trop vite. Après tout, il n'utilise la même énergie extraterrestre que celle qui alimente. Mais tu dois savoir tout ça, alors je vais faire court. Si quelque chose se trouve à l'intérieur du cercle, prends ce partenaire de Fleury, par exemple, et tout. C'est super rapide si tu traces un Wonder cercle autour d'elle. Attends, je vais mettre en pause en même temps là. Ce qu'on peut lire. Ah non. Mes capteurs indiquent qu'il va se passer quelque chose. Alors n'hésite pas à utiliser ton Wonder Cercle sur tout ce qui sort un peu d'ordinaire. Mon Wonder Cercle. C'est quoi, c'est ça? Coup d'épée. Voilà. Je suis devenu super fort. Vous pouvez rien faire contre moi. Je suis Wonder Joe. Beautiful Joe. Alias Beautiful Joe. Merde. La star qui se fait toujours filmer par un caméraman. C'est un espèce de super-héros aussi. Ce qui est bizarre, c'est que il a des super pouvoirs quand on le filme. Je sais, c'est étrange. Grâce à la caméra, tu pourras être un héros. Grâce aux effets spéciaux, surtout. Je pense que c'est ça. Bon, bah, je vais utiliser un ramen, hein, parce que moi, je suis dans la merde, sinon. Bon, bah, on peut utiliser des objets comme dans un RPG, c'est pas mal, déjà. Par contre, je déteste cet ennemi. Hein. J'arrive jamais à le tuer. Faut toujours que je me fasse buter avant. Désolé pour l'expression. Je me fais écraser. Comment on fait, déjà, le... Comment on fait la gelée? Je cherche le bouton de la gelée. Je veux de la gelée. On est dans Tale of Symphonia. Je veux de la gelée orange. Ou de la gelée de pomme. Mais qu'est-ce qui... Je me suis fait toucher par quoi? Je comprends plus rien en fait. Bon, en tout cas, les effets spéciaux sont pas mal, hein. Bon, maintenant je suis tout seul donc je suis un peu pourri. Il faut que je réveille mes copains. Comme ça on fait des trucs, on fait le carnage. On fait du carnage plutôt. Ah mais j'ai pourtant sprinté mais il tire tellement vite. Bah, comment on fait la gelée déjà? Ah voilà. Il ne la faisait pas avant. C'est pour ça. J'ai envie de faire la gelée moi. D'accord. C'est... C'est un peu con, hein, il nous saute dessus. Un char qui saute carrément, oui. Mesdames et messieurs, nous sommes dans Wonderful 101, oui, oui. Un char qui saute. Ils ont dû vraiment bien s'amuser à faire ce jeu, n'empêche, les développeurs. Par contre, faut encore que je me soigne. Car j'aime bien me soigner. Non, ne me dis pas que j'ai plus de... Grenade incapacitante. Provocation d'une vive explosion lumineuse aveugle et désorientant les unités. Je pense pas que ça va désorienter le char. Hein. Permet au Virgin Victory de tirer un morpho missile composé de civils volontaires. Bon, on va faire ça. Hein. Je peux rien faire. Bon, moi je peux pas l'utiliser. Et j'ai plus de ramen. Donc ça commence à me saouler. Ah, peut-être qu'il y en a là. Poivron de l'espace. Aubergine de l'espace. Oh, en fait, c'est tout de l'espace. Hein. Ah, mais purée, est-ce qu'on peut utiliser ça au moins? Non. Ah, mais je suis dans la merde. Je sais pas ce que c'est ce menu. Uniformisation. Ah, et ça, c'est pour revoir les... Ah ouais, pas mal, c'est pour voir les leçons. Pour voir les techniques. Ah, ça je me souviens, c'est dans le trailer, je crois que c'est pour... en gros, augmenter nos capacités. Bah, c'est nos caractéristiques. Je pense que c'est un truc comme ça. Ah mais non, c'est sans mixeur, c'est peut-être pour juste faire des trucs pour nous soigner. Je me suis encore fait défoncer.
C'est une habitude chez moi. Ah, il y a quand même marqué deux têtes de mort, donc ça montre que je suis mort plusieurs fois. Deux fois? Bon, non, je suis mort trois fois. Bon, disons deux fois, c'est mieux. Non, mais c'est quand qu'il fait cette attaque de merde? Ah, voilà. Ce char, il est impossible à battre sans la gelée, quoi. On est obligé d'utiliser la gelée. Et puis là, il met 3 heures à se relever, le bonhomme. Mais bon. Je pensais pas que ça allait être mon style de jeu. Oula, il a disparu. Il est mort? Bon, bah, je pense. Donc maintenant, il faut battre un autre ennemi. Je vais défoncer cette voiture. Opération Border. Enfin, moi, je disais plutôt Opération Bordel. Hein. Par contre, faut aller où? Oui, bah, il n'y a aucun ennemi. Ah, si. Il reste une petite crotte. Et voilà, on l'a défoncé. Et maintenant, je sais pas quoi faire. C'est peut-être le jeu qui rame? Ah non. Je croyais que c'était le jeu qui chargeait le prochain objectif. Ah, d'accord, un camion qui tombe comme une merde. Waouh, l'explosion quand même! Ah, c'est graphiquement quand même, c'est sympa. Je dis pas que c'est moche. C'est vraiment pas mal. C'est un style particulier. Encore une fois, là, putain, faut faire quoi, là? C'est quoi, ça? Ah, la classe. Allez, faut que je recommence, sans doute. Miss. Attends, R, c'est right? Bah, j'ai bien fait right. Attends, c'est super galère à faire, ça. Ah non, c'est confirmé. Mais allez. Ça marche pas? Je comprends rien au QTE, là. Comme quoi, il y a des QTE plus originaux que d'autres. Ah, ok, faut faire le tour. Attends, ouais, mais comment on fait le tour? Annulé. Ah, purée, mais c'est impossible. Ah, je comprends rien. C'est quoi ce QTE encore? Bon, d'accord, je vais vous dire un truc. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ah! Ah, enfin! J'ai à moitié réussi! Quand même! Ah oui, et puis dans le trailer aussi, on le voyait avec un bouclier, ouais. Je m'en souviens. Ah, parce que c'est un jeu vraiment très spécial, hein. Ça fait vraiment Beautiful Joe et je sais pas. Ça m'intriguait un peu, donc j'ai regardé ce que c'était plus précisément sur jeuxvideo.com et. Et ouais, quand même, ça a de la gueule, hein. Il y a beaucoup d'explosions. Par contre, là, je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut se protéger avec le bouclier de plusieurs véhicules qui tombent. Ah, j'ai à moitié réussi, c'est bof. Médaille de bronze. Très très moyen. Ah, mais vous savez, Oliver Plasma, c'est pas un big boss dans les jeux bordéliques. Dans les comment ça s'appelle déjà, les beat'em all. Non, je suis touché. Et on comprend vraiment rien du tout dans le jeu quand même. C'est bordélique. Est-ce que je peux soigner? Non. Non, je veux me soigner. Et pourtant il y a marqué rareté C, mais pour moi c'est rareté S. Note à la Sonic. Alors, ok, j'ai rien compris. Ah, il y avait d'autres ennemis. Maintenant, ils sont tous en slip bar, ces classes. Purée, ça fait 3 morts quand même. 4 morts. Mais ils montrent que 3 têtes de mort, donc ils sont sympas. Hein. Ils ont pas compté la première. Et voilà. Allez, prends ça dans ta gueule. Ah purée, mais je me fais défoncer par un ennemi qui m'attaque par derrière, là, le fourbe. C'est vraiment des fourbes, ces ennemis. Allez, attaque-moi. Je suis prêt à faire la gelée, là. Je suis prêt à faire la gelée. Le char qui est complètement bugué, hein, vous avez vu. Allez. Ah, mais non.
Et en même temps, il me parle donc j'ai lu et voilà. Je suis en mode galère. Bon, d'accord. Je suis pas tip top, hein. J'en suis désolé. Ah, ça c'était une belle protection. Oh là 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 là. Attends, mais c'est quand que je le touche? Aïe. Quand même, il souffre là. Il souffre le martyr. Je ne sais pas d'où vient cette expression, mais bon. Mais putain. Oui. Je suis où? Ah ouf, ça va, je suis pas en caleçon encore. Mais merde, je comprends rien. Purée, mais... Ah non, c'est trop bordélique pour moi. Je pense pas que... je pense pas que je vais l'acheter. Peut-être s'il est à 5€, mais... Voilà. Je pense pas qu'il soit à 5€. Hein. Les jeux Wii U, hein, vous savez, c'est très cher. Surtout les jeux de cet acabit où c'est n'importe quoi. Et oui, parce qu'à côté... Comment il s'appelle déjà? Zombie U. Mec à 10€. Ou 20€, je sais plus. Enfin, il est pas très cher, quoi. Sur Nintendo eShop. En téléchargement, bien sûr. Mais bon, moi, vu que j'ai une Wii U qui n'a pas une grande mémoire, 32Go, donc il vaut mieux faire gaffe, parce que chaque jeu, c'est au moins 6Go, déjà. Donc, en fait, vaut mieux que qu'on l'achète en disque, hein, les jeux. C'est un peu mieux. Au moins, on n'a pas ce problème sur PC. C'est sûr qu'avec un PC qui a un disque dur de 1000Go, c'est sûr qu'on n'a pas de problème. Ah, je sais pas ce que c'est. Un dossier top secret contenant toutes les informations utiles au bon déroulement des opérations de Sentinelle. Ce qui serait énorme, c'est qu'on ait pris ça dans les toilettes. Ça aurait été plus... plus top secret. Mission 008. Ah, pourquoi il n'y a pas 007? Je suis où là? Je comprends que dalle. Bon, on s'est fait attaquer par le feu et il faut tracer une longue ligne avec elle. Que j'arrive pas à faire. Ah, maintenir. Bah, c'est ce que je fais. Attends, là c'est bien. Bah oui, c'est bien elle. Tracer la ligne en long. Ah, ok. Il reste comme ça et j'avance. Je comprends que dalle. Bon, c'est quand même. Faut vraiment connaître les mécanismes de ce jeu. Je crois qu'il y a un oiseau qui s'est écrasé. C'est vraiment du grand n'importe quoi cette vidéo. Je suis désolé. Par contre, là, je sais pas comment on fait cette merde. Maintenir elle. Attends, maintenir elle. Attends, je vais maintenir. D'accord. Je comprends rien à le jeu, sérieux. Je suis en train de maintenir... Ah, peut-être qu'il faut que les piles soient toutes rechargées, je sais pas. Je comprends rien. Ah, ou j'attaque avec mon épée, c'est peut-être un peu mieux. Non, mais c'est quoi? Ah non, faut... Ah, pour monter. Ah, pour monter ici, je crois. Ah, voilà. Ok. Il faut... J'ai cru que c'était contre le feu, ça. Je sais pas, faut plus s'expliquer, bordel. Et là, faut faire quoi? Faut péter ça, faut... Faut monter, faut péter la grue là-haut. Faut tout péter. Oh là là, magnifique! C'est tout flou! Ah, c'est beau pour le 720p, ça. Oui, parce que... quand je filme avec le Game Capture, je suis obligé de mettre en 720p. On a essayé avec Firefly pour les deux toutes premières vidéos là, j'avais fait, vous savez, sur Injustice et aussi un jeu de combat, la Mortal Kombat avec les super-héros là. Et aussi avec Firefly, on avait fait Nintendo Land. Puis je trouvais que on avait mis en 1080i et non pas P, puisque c'est le seul truc. Ce truc qui marche sur le Game Capture, enfin 1080p c'est trop, et donc 1080i ça donnait quelque chose de bof parce que des fois l'image était un peu déplacée par rapport au son de nos voix du micro, donc c'était pas pratique. Bon, problème, je sais pas ce qu'il faut faire.
Ah ouais, fallait faire un coup d'épée et non un coup de poing. Voilà, la petite logique. Non, et puis voilà, c'est 1080i, c'est... J'ai vu, de toute façon, il y en avait plein qui mettent que c'est moins bien que 720p, donc je préfère mettre en 720p. Et j'ai remarqué, oui, en effet, que c'est que le 720p, c'est mieux. Parce que c'est à la fois un peu plus net, et puis en plus, c'est... Là, c'est pas buggé, hein. Il n'y a pas de décalage de son, des fois. Parce que j'avais fait une vidéo aussi avec... Mister Y pour Rayman Legend, mais on l'a pas posté parce que moi je l'ai supprimé parce que on entendait pas assez nos voix déjà, et puis en plus faire quoi là, sauver tous les civils en danger. Ah bon, je termine mon truc. C'est parce que en fait on avait beaucoup de décalage, par exemple dans le... vous savez, dans les Rayman ça bouge de partout, il y a des niveaux où c'est des niveaux en rythme là avec de la musique. Et des fois, on voyait carrément l'image qui devenait en noir et blanc, ça bougeait de partout, c'était n'importe quoi. Et le 1080i n'aimait pas trop ça. Ça faisait des bugs sur le game capture. Alors qu'avec le 720p, j'ai essayé, il n'y a aucun bug. Voilà. Help! C'est moi qui dis help! Non mais faut faire quoi là? J'ai rien compris, hein, pour la petite info. Je sais pas si vous avez remarqué. Bah, je vais remonter là. Hein, parce que moi j'aime bien monter. Et franchement, on gagne vraiment. On trouve vraiment l'énigme au hasard dans le jeu. Je comprends que dalle. Faire quoi? J'ai tout fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Faut ouvrir la porte. Faut faut taper ça, faut s'enfuir, mais je peux pas. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. En fait, je suis un peu paumé. Mais je suis toujours un peu paumé. Il faut faire quoi? Je comprends rien. Ok, je pense que le jeu a bugué. Alors, faut leur parler. Sauver tous les civils en danger. Ah, pourquoi j'ai dit visible à chaque fois? N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait quoi? Mince. C'est quoi ce truc? ZL. Ok, je sais pas ce que c'est. Des menus assez chelous. Vous aurez le droit à des menus assez chelous. Hein. Ah merde. Je viens de remarquer un truc en fait. Là l'écran il est que sur le gamepad, je comprends que dalle. Mais comment j'ai fait ça? Je crois que j'ai fait ça en faisant moins. Ah voilà. Ah en fait quand on appuie sur moins, on change entre sur le gamepad et sur la télévision. Bon. Bon, je sais pas si le jeu il donnerait. Je sais pas s'il serait beaucoup plus beau en 1080p. J'espère au moins qu'il y aura plus le flou au bout. Non, mais faut faire quoi sérieusement? Je regarde partout, je fais n'importe quoi. Mais c'est quoi le help là? Sérieusement, je crois que c'est un bug du jeu. Ça arrive des fois des bugs comme ça, hein. On le sait tous, hein, sur des jeux super mal faits. Celui-là en est un danger. Non mais il faut faire quoi? Pourquoi le help il est au-dessus de moi? C'est la question. Il n'y a pas de villageois. Bon allez, on va dire que le jeu a planté, on va redémarrer. Non mais parce que là, t'as comment on redémarre déjà? Ah voilà, réessayer. Mais merde, je voulais pas faire écran titre. Mais non. Ah ça c'est jusqu'à 5 joueurs peuvent y participer. Ah c'est sans doute un mode multi. Attends, je suis obligé de tout recommencer. Sérieusement. Le jeu a planté. Hein. Et en plus je pouvais même pas faire essayer.
Ça me mettait direct sur écran titre. C'est mal foutu, hein. Je comprends pas l'interface, en fait. Allez, merde, on recommence tout. Ah, c'est pas de bol. Allez, on recommence tout. Bon, bah, vous avez compris ce que c'était, en gros, hein, cette démo que je n'ai pas pu finir. Parce que je ne comprends rien. Non, bah, je pense sérieusement que c'était un bug du jeu, hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, si c'était un bug du jeu ou pas. Parce que le help où il y avait personne, ok. Je comprends pas. Rien que, déjà que le jeu est bordélique, en plus qu'il y a des bugs comme ça, je pense pas que ça me donne envie de l'acheter, hein. Bon, ça a l'air d'être un jeu plutôt amusant, mais c'est pas trop mon style de jeu. Les beats and balls, c'est pas trop mes trucs. Par contre, ah oui, on peut pas réessayer, en fait. On peut pas réessayer. C'est con. Bon, on va essayer le mode multi, vite fait. Voir si c'est en ligne. Je sais pas. The Wonderful 101. Alors, faire quoi? Ok, on est sur une arène. On peut revenir à l'écran titre. Ah, et là, c'est sans doute le temps d'attente de d'autres joueurs, peut-être. Et après, on se combat. Je sais pas. Si je vais faire l'écran titre, voilà. J'ai rien compris. Donc, il faut attendre longtemps. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de joueurs quand même. Je sais pas. Il y a Mario Kart 8 à côté, donc. Je pense pas, hein. J'avais aussi le choix de prendre ce jeu aussi, hein, d'acheter ce jeu-là. Non, de le télécharger, puisque on avait le choix entre plusieurs jeux à Mario Kart 8. Quand on a acheté Mario Kart 8, quand j'ai eu Mario Kart 8, et bah on pouvait choisir plusieurs jeux. Et donc, il y avait ce The Wonderful 101. Et il y avait aussi Sonic Lost World, Pikmin 3, il y avait Nintendo Land, mais on l'a déjà. Il y avait Mario 3D World, mais on l'a déjà. Je crois qu'il y avait Rayman aussi, peut-être. Je sais plus. Mais on l'a déjà. Il y avait comment ça s'appelle? Bon, il y avait le Wii Party, hein, une espèce de Wii U Party. Mais bon, ça a l'air tout pourri, donc voilà. Ma réponse est tout de suite non. Et puis on avait aussi. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Comment ça s'appelle déjà ça? Monster Hunter. Mais ça sert à rien parce que je l'ai déjà sur 3DS et j'ai vu que les graphismes étaient super moches sur Wii U. Ils sont aussi beaux que sur 3DS en fait. C'est ça le truc. Donc ça n'utilise pas du tout la capacité de la Wii U et je trouve ça très moyen. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et j'espère que cette petite vidéo découverte vous a plu. C'était un peu en freestyle, j'ai même pas fini la démo mais. C'est pas grave, j'ai la flemme de la recommencer parce qu'on est obligé de la recommencer là. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma.